Donc c'est un photogramme de 26 mètres de long. Un photogramme, c'est une image réalisée sans appareil photo ni négatif, réalisée avec simplement de la lumière. Et ce photogramme représente une moto qui apparaît sur le papier en réserve, c'est-à-dire que sa forme se détoure en blanc. Donc la moto apparaît sur une extrémité du papier et elle semble s'élancer sur une route qui est symbolisée par cette bande de papier de 26 mètres de long. Et sur cette route, sur ce papier, eh bien on voit en négatif la trace lumineuse du phare de la moto, puisque le phare de la moto a été projeté sur le papier photosensible vierge et a donc formé, constitué un faisceau lumineux qui est un dégradé de noir et de gris et de blanc. L'éclairage de la salle comporte également 7 ampoules inactiniques rouges qui évoquent à la fois le labo photo et elles évoquent également les signes routiers. Mon travail utilise beaucoup la photographie et témoigne d'expérience, témoigne de processus, témoigne d'expérimentation. Ce photogramme en est la preuve. C'est une expérimentation dont je ne connaissais pas la finalité, dont je ne connaissais pas le résultat, pour créer des effets de surprise, pour créer des images inattendues, d'une certaine façon risquées, sans attente particulière, et avec une grande part d'inconnus.